D'abord, vous savez, je ne cache pas que je suis un ancien militaire et que je félicite tous nos combattants, tous nos militaires qui sont au front dans la partie septentrionale du pays pour nous défendre. Parce que c'est parce qu'ils font le travail là-bas que ben, le territoire est pour le moment vierge d'installation de ces terroristes. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils font un très bon travail. Et il faut même remarquer que sur le plan globalement territorial, le grand banditisme aussi un peu baissé par rapport à ce qu'on voyait les autres années. Moi, la seule reproche que je donne, c'est que le gouvernement gère la question sécuritaire de façon unilatérale, que le reste des populations, que par exemple nous les députés, on n'est jamais allé sur le front pour accompagner par exemple les militaires. La société civile peut être mise à contribution. Même l'ensemble de, moi je vois dans des pays où même des écoliers font des cadeaux pour envoyer aux gens sur le terrain, parce que c'est notre affaire en tous. Donc c'est le seul regret que j'ai, mais bon, après maintenant, c'est l'exécutif a décidé que c'est comme ça. Il n'y a pas de faute morale ou politique, donc on fait avec. Mais l'essentiel, c'est que les résultats sont plutôt bons. Non, d'abord, c'est que si vous regardez pas uniquement au Togo, vous regardez dans la sous-région, la période de la saison sèche est coutumière des incendies. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas tiré des leçons des incendies des marchés de Lomé et de Kara pour prendre des mesures préventives. Par exemple, aujourd'hui, on devait pouvoir avoir à proximité des marchés au minimum une caserne de sapeurs-pompiers. Moi, je propose que dans toutes les communes, qu'on ait au moins une caserne de sapeurs-pompiers pour pouvoir intervenir à temps, avec la possibilité de mettre en place des bouches d'incendie. Parce que quand un camion vient avec 50 litres, sur un grand feu comme ça, avec 50 litres, c'est fini en un rien de temps. Après, bon, tout le monde crie que ouais, mais les pompiers n'ont pas d'eau. Mais ça finit en un rien de temps. Et puis, je pense qu'on est arrivé à un point où on peut aussi faire de la prévention en mettant dans les marchés des détections, de la détection d'incendie. Aujourd'hui, on a beaucoup de technologies par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas tiré les leçons. En fait, malheureusement, on reste là, on attend que ça se passe. Voilà, on doit pouvoir dans les marchés avoir des gens qui, même si ce n'est pas des détecteurs d'incendie, parce que quand vous prenez la plupart des incendies, c'est que quand on alerte, c'est souvent trop tard. Le marché, les marchés vivants, les baraques étant dans la proximité, et il suffit que le feu va se répandre et ça atteint un niveau où les pompiers ne peuvent même plus intervenir. Donc normalement si on avait des personnes peut-être à l'intérieur, parce que manifestement la nuit, les gens qui sont chargés même de garder les marchés ne restent pas au marché. Donc on n'a pas tiré les leçons. Mais je peux vous dire que je ne suis pas vraiment dans la théorie du complot. Je considère que quand vous regardez ces derniers temps, moi j'ai assisté à 2 ou 3 incendies dans certaines maisons, ben, on n'en parle pas parce que des choses. Ou parfois c'est soit un incendie d'origine électrique ou bien voilà, les choses sont sèches. Je ne tombe pas vraiment dans la théorie des complots, surtout pour ce qui concerne le marché d'Agoé. Quand vous voyez vraiment comment les baraques sont resserrées, il suffit qu'un feu déclenche quelque part, qu'on ne fasse pas tant. Mais pour moi, je pense qu'on n'a pas tiré suffisamment les leçons. Aujourd'hui, on peut mettre de la vidéosurveillance dans les marchés. Ça permet comme ça de savoir ben, si le feu déclenche alors que quelqu'un est en train de passer quelque part, ça permet de les détecter. Mais on n'a pas tiré de leçons à ce domaine. Moi, je considère toujours, même si je suis un ancien militaire, que les coups d'État sont une régression. C'est-à-dire que la démocratie telle qu'on l'a fait en Afrique n'est pas la meilleure. J'ai toujours demandé qu'on mette, par exemple au niveau de la CEDEAO, un protocole qui empêche les troisième mandats. Mais quand vous prenez aujourd'hui la plupart des coups qui sont passés dans les 4 coups d'État qui sont passés dans les 4 pays du Sahel et de la Guinée, ben, il n'y a qu'en Guinée où on a un président qui faisait un troisième mandat. Ouais. Dans les 3 autres, c'était des présidents qui étaient soit à leur premier ou à leur deuxième mandat. Donc pour moi, je considère que les coups d'État restent une régression politique. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut aussi considérer que certains coups d'État se passent dans une situation sécuritaire déjà délétère. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, et que peut-être l'une explique d'autres choses, parce que beaucoup de militaires vous expliquent qu'ils ont fait le coup d'État parce que la réponse militaire à la menace sécuritaire n'était pas suffisamment proportionnée, donc du coup ils ont décidé de faire un coup d'État. Donc ça peut s'expliquer, mais aujourd'hui je crois que et la CEDEAO et tous les autres pays doivent comprendre que nous sommes face à des réalités avec lesquelles il faut faire face et faire en sorte de voir si nous pouvons revenir à notre idéal démocratique. C'est-à-dire que, je le dis encore, la démocratie c'est pas le meilleur système au monde, mais pour le moment c'est le seul qu'on a.
Donc, est-ce que nous allons rentrer, comme on a fait dans les années 70, à avoir des militaires qui restent au pouvoir pendant 10, 20, 30 ans? Parce que, ben, tel que c'est parti, s'il y a pas, si on ne prend pas de mesures, ça va être extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, moi, en tant que politicien, je regarde un peu ce qui se passe dans ces pays. Il n'y a pas de liberté politique, il n'y a pas de liberté d'association, il n'y a pas de liberté de presse. Je ne pense pas que ce soit ce que nous souhaiterions pour l'émancipation des peuples africains. Quel est le modèle que vous souhaiteriez réellement? Non, pour démocratie, en quel sens? Non, pour moi, je pense que c'est ce que je dis. La démocratie est un bon système. C'est souvent nous, les Africains, qui le dévoyons. On peut faire dire à la démocratie tout ce qu'on veut. Il y a des pays, je prends aujourd'hui, on prend l'exemple du Libéria. Ils ont fait une élection, celui qui a perdu, même sur un très court cheveu, a cédé le pouvoir. Aujourd'hui, le Sénégal est un modèle, même on peut dire tout ce qu'on veut, ou quand même il y a une alternance qui existe. Peut-être que le Niger aurait pu être ce modèle-là, parce qu'il y a aussi une alternance. Bon, maintenant, voilà. Donc pour moi, je pense que quelles que soient les insuffisances du système, on verra avec monsieur. Et Talon, s'il respecte son engagement de faire les deux mandats. Moi, je pense que quel que soit ce qu'on peut reprocher à la démocratie, ça reste encore le modèle qui est d'abord le plus répandu, même quand on prenait la Chine, qui est quand même un pays communiste, entre guillemets, ils ont un modèle où tu fais le nombre limité de mandats et puis tu t'en vas. Donc, je pense que ça reste quand même un modèle. Si on fait la séparation des pouvoirs et l'alternance, en réalité, ça reste pour moi le modèle qui s'approche le plus de la réalisation de l'intérêt du peuple. La CEDEAO, ben écoutez, c'est un peu comme vous avez une maison, vous avez une règle que vous avez mis établie. Quand quelqu'un viole sa règle, vous appliquez les conséquences des règles. La CEDEAO, c'est vrai qu'initialement, c'était une zone économique qui est passée à une zone politique, mais la condamnation, par exemple, des coups d'État fait partie de l'ADN de la CEDEAO. Nous-mêmes, au Togo, ici, on l'a connu, pratiquement tous les pays l'ont connu. Dès qu'il y a un coup d'État, ben voilà. Maintenant, après, la question qui se pose, c'est que quand quelqu'un fait un coup d'État militaire, pourquoi on condamne alors que quand quelqu'un fait un troisième mandat, ne condamne pas? C'est pour ça qu'en début de conversation, je vous ai dit, moi, j'aurais aimé qu'on mette un moratoire sur la limitation de mandat. Il y a à l'époque un ou deux pays qui n'ont pas voulu. Il faut peut-être qu'on le mette pour éviter. Mais au même moment, notons que la plupart des pays dans lesquels il y a eu des coups d'État n'étaient pas dans un système de troisième mandat, donc ce n'est pas l'origine. Maintenant, est-ce que la CEDEAO peut faire autre chose? Si la CEDEAO commence à tolérer, entre guillemets, les coups d'État, ça veut dire que vous faites elle ouvre la porte d'ici 5 ans, on n'aura que des militaires au pouvoir dans tous les pays. Parce que manifestement, il suffit d'avoir les armes pour prendre le pouvoir. Ben, on vient de voter un budget, une loi de finances qui a créé de nouvelles taxes. Mais si vous avez suivi mon discours d'intention de vote, c'est que ben, il faut que l'État, quand il crée de nouvelles taxes, facilite aussi, pour les entreprises surtout, offre des facilitations. Parce que ben, c'est quelque part où chercher l'argent pour payer les taxes. Là, par exemple, il y a une réforme majeure qui est l'assurance maladie universelle, qui est une très bonne réforme. Qui est une très très bonne réforme, mais ça va demander beaucoup d'efforts aux entreprises parce que ben là il y a 10%, 5% pour les employés et 5% pour les entreprises. C'est un effort qu'on va demander aux populations, sachant quand même que nous avons un pourcentage de personnes actives qui est plutôt limité par rapport aux autres, tout ce qu'on appelle travailleurs indépendants et tout. Donc voilà, ça fait partie des tâches qui vont impacter les entrepreneurs et nous aurions souhaité que bon, ben, il y ait peut-être des mesures fiscales qui permettent de rattraper un peu ce que les gens vont payer. Mais je pense que pour 2024, on a cette mesure-là qui est une mesure importante. On a le recensement biométrique qui est un peu plus de retard, mais qui va permettre à tous les Togolais d'avoir un numéro d'identification unique. Et puis, pour le politicien que je suis, c'est les élections. Donc sur le plan économique, une fois que vous votez la loi de finances, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ce qui va se mettre en place durant toute l'année comme mesure financière. Et sur le plan sécuritaire? Je pense qu'il faut continuer ce qu'on fait jusqu'alors, continuer à contenir les terroristes au nord et puis continuer à se battre contre le grand banditisme à Lomé. Je vois que ça a un peu baissé, mais il ne faut pas baisser les bras.